Où est-ce qu'on va? C'est quoi ton plan? Comment savoir si je peux te faire confiance? Y a pas moyen. Petite sœur, pourquoi notre invitée est-elle sortie de ces quartiers? Elle voulait prendre un peu l'air frais. Pas vrai, princesse? Frappe-les sur la nuque, ça devrait les faire tomber! Ouais, pas mal, Paillette. Allons-y! Mais qu'est-ce que tu fais? À ton avis, je te fais sortir d'ici. Bien, ça devrait les retenir. Attends, est-ce que tu me sauves? Pas toi, Adora. Même si je lui envoyais un message pour lui dire de rester à l'écart, elle viendrait pour toi. C'est dans sa nature. Mais et toi, alors? Moi? Je ne suis bonne qu'à faire souffrir les gens. Il n'y a plus personne dans l'univers qui tienne à moi. Ça fonctionne maintenant? Est-ce que tu es là, Darla? Oui, heureuse de te voir, Trapta. Oh, tu m'as manqué! Nous recevons une transmission. Veux-tu ouvrir les communications? Mets-nous en liaison. Adora! Catra? Je n'ai pas l'air si heureuse de m'entendre. Je t'envoie Cynthia. Je ne connais pas ta position exacte, mais je peux l'envoyer dans ton cadran. Il faut que tu sois là pour la récupérer. Attends. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Cynthia est avec toi? On n'a pas le temps. Va à ses coordonnées maintenant. Ne viens pas ici, quoi que tu fasses. Ah! Le grand maître t'attend de pied ferme. Ah! Attends, Catra, je comprends pas. Qu'est-ce que... Écoute-moi! Ah! Adora! Je te demande pardon! Pardon pour tout ce que je t'ai fait! Non, Catra! Reviens! Le canal de communication a été fermé. Entrapta, fais le nécessaire pour nous conduire à ses coordonnées. Flèche d'or? Adora? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je crois que Catra m'a sauvée.